Non, mais ils le disent tous d'ailleurs. Ouais. Ils disent ce que je viens de faire, tu peux le faire. Alors après, c'est des gens qui Tous mes sont quand podcasts même. commencent par si l'on fait, toi aussi tu peux le faire. Ben oui. C'est ça, hein. Ouais, c'est Bah, c'est ça. un peu le tout est possible que Philippe Croizon, je trouve, c'est un très bon ambassadeur de ce message, mais du coup, c'est un message qu'après, on a tous envie aussi de s'approprier. Tout est possible, en fait. Oui, complètement, complètement. C'est Thomas Pesquet qui dit. Qui dit quelque chose que je trouve super beau. Il dit le premier frein à la réalisation de ses rêves, c'est l'autocensure. Oui, ça c'est tellement vrai. Mais c'est dur de passer outre, hein. Oui. Surtout qu'autour de toi, t'as souvent des gens qui disent, mais attends, Philippe le dit dans le voix de film, d'ailleurs, attends, 99%, 99% des gens lui ont dit, il faut pas rêver, Philippe. Arrête de rêver. Mais c'est ça d'ailleurs la richesse aussi, je trouve, de tout ce qu'on a appris avec tous ces gens-là, c'est que finalement, tu as peut-être 99% des gens qui te disent ça, mais parfois, il faut aussi accepter de regarder le 1% et savoir s'entourer des 1%. Parce qu'il y a d'autres gens que tu peux embarquer dans un rêve ou des gens qui veulent réaliser un rêve qui t'embarque. Et finalement, il y a des gens comme ça, et c'est ça qui peut être beau et riche, c'est de regarder les 1%. Et finalement, la plupart du temps, les rêves, c'est quand même collectif. Mais il faut être capable de se dire que les 99% qui t'ont dit non, c'est pas possible, il faut les mettre de côté.